Rendre grâce à Dieu pour la vie de son parrain, le maire Luc Saint-Ondi, à Tropo. C'est ce qu'a fait le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOPAD à travers une messe d'action de grâce à l'église Sainte-Rita de Cotonou. Les jeunes militants de ce mouvement témoignent leur reconnaissance. La semaine dernière, notre pays a connu, pour ne pas dire une épreuve difficile, pendant que déjà le président d'honneur, son excellence Luc Saint-Ondi à Tropo, était donc en chemin pour une mission dans la zone septentrionale de notre pays. À hauteur de la commune de Dassa, il y a eu un accident. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous jeunes, très engagés, on s'est dit, Dieu sait toujours sauver ses enfants. Il sait toujours protéger ses enfants. Parce que Luc Saint-Ondi à Tropo, c'est un homme de cœur, c'est un homme de charité, c'est un homme de vision et c'est un homme de développement. Et déjà, la mutualisation de toutes les actions caritatives qu'il a l'habitude donc de mener a permis en réalité à Dieu et aux anges de pouvoir le sortir idem, lui et son chauffeur bien évidemment, de cette rude épreuve. Il était normal que nous, mouvement, qui sommes déjà engagés à sa cause, qui travaillons pour le développement de notre nation, nous venions venir dire merci Seigneur. C'est ça l'objectif fondamental qui a motivé cette séance. Et donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir nous exhorter à la prudence sur le chemin, parce que un peu plus tôt encore dans cette deux semaines, il y avait le premier agent au maire de la ville de Savalou qui lui-même également a péri dans un accident du genre. Cela nous interpelle. Ça nous interpelle parce que c'est des personnes de cœur qui sont en train donc de subir ces genres d'épreuves. Nous, au niveau du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, on s'est dit on ne doit pas être du reste. On profite de cette occasion pour inviter l'ange Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, et de pouvoir l'accompagner, de le sauver et de nous accompagner dans le développement de notre nation. Ce creuset de jeunes engagés pour la démocratie et le développement entend contribuer efficacement à l'animation de la vie politique. MOPAD est un mouvement de jeunes, pour les jeunes et pour le développement de notre nation. Nous sommes représentés dans tous les hameaux et c'est l'occasion, c'est le centre d'incubation favorable pour tout jeune désiré de pouvoir être moulé déjà dans les rouages de la vie politique pour une gestion efficiente, efficace, il y a des affaires de notre pays au lendemain, de se référer à nous, de travailler la main dans la main pour que nous puissions partager tous ensemble cette vision de développement. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOPAD, comme à Cotonou, a rendu grâce au Tout-Puissant pour la vie de son parrain dans les 77 communes du Bénin.